Y'a Playpad, vous allez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oh! Est-ce que vous entendez la musique de fond? Ah oui, la musique de fond, est-ce qu'elle vous rappelle un truc? Normalement, elle vous rappelle ce que j'appelle une bonne nouvelle. C'est censé vous rendre joyeux en sachant que vous allez voir un jeu absolument iconique. Bon, bah, j'ai lancé la game parce qu'en fait, quand tu arrives sur ces serveurs-là, tu peux très vite tomber à 17 sur 18 et ne pas pouvoir y jouer, ce qui serait quand même assez terrible parce que, en fait, c'est un serveur de IW... non, pas IW4X, comment il s'appelle? C'est IW4X, c'est la version modée de Modern Warfare 2. C'est... Bon bref, c'est la version modée de Black Ops 2. Et en gros, c'est un serveur qui du coup des games sur Hijacked, Nuketown et Raid. Alors autant te dire que en termes de sélection de maps, ils se sont pas fait chier, ils ont pris parmi les meilleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec une petite arme pour changer des vidéos Black Ops 2 que je fais habituellement. Hop là, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et de prendre une arme qui était très très puissante à l'époque et auquel je ne joue pas, c'est la petite Scarache silencieux. Scarache silencieux qui, je le rappelle, a été découverte à la fin du jeu. Enfin, sa puissance a été découverte à la fin. Aïe, non! Sa puissance a été découverte à la fin du jeu. Et ça me fait très 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 plaisir. Bon, vous allez bien ou quoi? Désolé pour ce début de game un peu abrupt, hein, je tiens à le dire, j'en suis conscient. Ça a été lancé un petit peu à la zub, mais même moi j'ai été un petit peu surpris, je pensais qu'il y avait un peu plus de chargement pour vous faire une intro digne de ce nom. Voilà, regardez les long shots, en termes de long shots, on est bien. Et ça c'est pas Nuketown 84 mes boules, hein. Ça c'est Nuketown The Real One, tu vois, ou en tout cas un des meilleurs remakes de Nuketown qu'ils aient pu nous faire. Donc, moi bon, je vais pas jouer avec ça tout le long, ok? Oh, il m'a collé l'arbalète, le bâtard, regardez! Ah mais non, j'ai trop le seum. Bon, je tenais à vous remercier pour les retours de la vidéo d'hier parce que j'ai pris deux risques. Alors hier déjà, je vous ai fait une vidéo pas montée du tout. Donc ça, c'est jamais un truc que je fais habituellement. Vous avez vu, il y a un flou en fond quand tu vises quelque part. Je crois que c'est une option qui vient peut-être du serveur, mais il y a un flou en fond. Genre là, quand tu vises là, il y avait un flou juste avant. Donc... Let's go. Encore un kill. Attends, on est bien. J'ai pris un risque, c'est que hier... Encore, j'ai fait le choix de vous sortir une vidéo sans montage pour pouvoir vous en sortir une et j'ai parlé tout le long. Alors croyez-moi frère, quand tu parles tout le long pour divertir des ahuris comme vous, à des moments c'est pas toujours facile, il faut trouver des sujets de discussion. Et malgré tout, vous avez kiffé, vos retours sur la vidéo sont assez bons, donc c'est assez cool. Et je pense, donc du coup j'ai réfléchi, je pense que de temps en temps, d'accord, parce que mon but c'est quand même de vous livrer de la qualité, hein, de temps en temps, si j'ai pas le temps, si j'ai une couille, plutôt que de pas vous sortir de vidéo, je vous ferai peut-être... des vidéos dans le même style que celle d'hier, c'est-à-dire avec très peu de montage, mais qui du coup à côté ne me demande que très peu de temps. Mais après encore, regardez le flou derrière comme je vous disais. Voilà, là, regardez, vous avez vu, c'est flou. Oh, c'est flou, magnifique. Ah, let's go, j'ai eu le petit kill. Attends, on va aller Team Ratus pour le mec à droite. Oui, oui, bon, monsieur, vous laissez la place au vrai Team Ratus, et qui va tuer le gars derrière la voiture là. Regarde, il y a un gars là. Oh, il a été tué. Le OG Team Ratus. En fait, j'ai envie d'avancer, mais le truc, c'est que c'est risqué d'avancer. Alors que regarde, là, tu restes viseur fixe, et le mec vient dans ton viseur, c'est ça qui est en fait fabuleux. Il vient là, ou il vient là, ou il vient là. Voilà, tu vois, regarde, c'est quand même beau. Donc oui, je pense que de temps en temps, ça vous... ça va pas trop vous impacter, et moi, de mon côté, ça me permet de sortir un contenu qui reste malgré tout cool, je dirais peut-être juste un poil moins qualitatif. Et pour peut-être différencier les deux, j'ai eu une idée. Alors j'ai eu une idée, vous me dites ce que ça vaut. Est-ce que ces petites vidéos un peu... Est-ce que ces vidéos un petit peu en mode galère, vous voyez, avec moins d'editing et tout ça, machin, mais qui font... En fait, c'est pas des vidéos... Oh là, c'est pas des vidéos que j'appellerais comblées, mais c'est des vidéos avec un poil moins de travail. Est-ce que vous pensez qu'on peut en faire... une série comme ça, quand elles sortent, vous êtes au courant que c'est elles. Et donc du coup, mettre dans le titre une sorte de petit truc. Et moi, j'avais pensé, dites-moi ce que vous en dites, à VDHS, pour vidéo de la Hesse. Donc vidéo de la Hesse, quand vous voyez vidéo de la Hesse dans le titre, bah, vous êtes sûr que ce sera une vidéo avec un peu moins d'editing. Et au moins, vous vous en plaignez pas. Et pour ceux qui n'aiment que les vidéos bien montées, bien clean, et bah du coup, bah vous pouvez les skip. Donc je pense que vidéo de la Hesse, VDHS, ça peut être bien. Alors qu'en plus, hier, j'ai pris un autre risque. Un autre risque, et ouais. J'ai pris un autre risque, les gars. Ici, attention, hein, ah, chez Zach Company, frère, on veut prendre des locaux, on veut prendre un salarié, on prend des risques et tout. Vous savez, c'est quoi le risque? Mais à votre échelle, c'est complètement bidon. À mon échelle, c'est pas énorme, mais c'est significatif, les frères. Le risque que j'ai pris, c'est que pour la première fois depuis, je crois, mais je sais même pas, frère, je crois depuis des années peut-être, j'ai sorti une vidéo code avec une miniature où il n'y a pas ma tête dessus.
et je voulais voir si du coup sortir une jolie miniature. Je trouve que la miniature de la vidéo hier était assez stylée, mais sans ma tête, si ça allait avoir un impact sur les vues ou pas. Bah, a priori, vous en battez les couilles. La vidéo a fait des vues très correctes, hein, quasiment 50 000 à l'heure où je parle, ce qui est quand même cool, tu vois. N'en déplaise à Jean Médiamétrique, ils vont dire « Oh mais ça va que t'as 400 000 abonnés, tu fais que 50 000 vues. » Ouais ouais, bon bah écoute. Non, j'ai pris une sanction. J'ai voulu imiter quelqu'un et me moquer. Mais regardez-moi ça. Oh, player. Oh, has been banned by anti-cheat. Oh, il y a un tricheur qui s'est fait ban en live, les gars. Let's go, j'ai mon titre YouTube. Ouais, on l'a pas vu de cheat, mais il s'est fait ban. Let's go, le putaclic, on est bien. Donc oui, mettre des petites miniatures sur ma tête, hein, ça fait plaisir de temps en temps. Parce que j'ai vu vos retours, j'ai vu vos commentaires, là, concernant les... Il y a eu un moment où j'ai utilisé... 2710, au calme. J'ai utilisé plusieurs fois, enfin mes miniaturistes ont utilisé plusieurs fois la même minia pour, enfin la même photo pour plusieurs minias différentes, et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, vous en avez marre de voir Zach comme ça, hein, comme ça, Zach qui se prend la tête, c'est bon pour surjouer l'émotion. Oh mon dieu, I am shocked. Oui, bon, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ça vous pétait les couilles. Donc de temps en temps, je vous ferai des petites minias sans ma tête et ça fera plaisir. Vous savez quoi, ce début de game, on prend un peu le sniper. C'est pas grave si ça donne pas le beau jeu de l'année. On prend un peu le sniper et après on sortira la scorpion histoire, tu vois, de donner vraiment de la craderie. Oula, c'est quoi ce bruit? What the fuck? Mais c'est quoi ce bruit? Mais je sais, vous... Mais c'est une blague? C'est quoi ce bruit? Vous savez que j'ai aucune idée de ce que c'était ce bruit. Ok, premier kill, hein, histoire de se rappeler quand même. Non, il m'a mis le coup de pompe, histoire de se rappeler quand même que je suis chaud, hein, je suis chaud. Attends. Non, je m'attendais pas à voir mon spawn rusher de cette manière. Alors en fait, on est avec plusieurs gens snipers, et quand t'es avec plusieurs gens snipers... Attends. Quand il y a plusieurs gens snipers dans la même équipe, ça te donne un phénomène qui s'appelle ne pas pouvoir avancer. Et ne pas pouvoir avancer, bah ça fait que... Oula, let's go! Ça fait que vous êtes dans une hesse noire parce que vous ne pouvez pas occuper correctement l'espace. Oui, je suis Laurent Blanc de Call of Duty, je parle d'occupation d'espace et de dribble. Monsieur! Monsieur! Venez dans mon bureau, monsieur, vous aussi! Venez dans mon bureau, j'ai dit! Oh, dommage, si j'avais fait le quatrième kill, ça aurait été stylé. Bon, voilà, maintenant qu'on a fait une petite expérience au sniper, retournons à la scorpion, ça fait plaisir, j'ai envoyé quelques kills. Ça y est, la mission a été faite. Alors, bien sûr, je vais vous parler d'un sujet parce que je voulais... Oups, évoqué hier en petite partie, hein, en très petite, je vous avais dit, ouais les gars, il y a OL, PSG, je suis un peu stressé, en plus en général contre Paris ça se passe pas toujours bien, surtout là-bas, ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas gagné au Parc en Ligue 1, 13 ans frère, la dernière fois qu'on a gagné au Parc en Ligue 1, j'avais 12 ans, je regardais Pokémon, je mangeais des Monster Munch, et jamais je me serais imaginé que mon avenir serait constitué du fait de divertir des mecs sur internet. Ok, quand même en soi, beau, il a mis du sale avec son pompe frère, Pardon frère, il a mis un quickscope au pompe ou quoi? C'était quoi cette mécanique? Vous avez vu la mécanique? Genre on dirait limite que c'était silencieux, que le kill a pas été enregistré. Enfin que le tir a pas été enregistré, il a pas fait de bruit, c'était bizarre. Donc du coup forcément hein, ça fait très très plaisir. Le football en ce moment rend heureux et c'est vraiment un des trucs qui, où je m'en veux. Faut pas que ce sport puisse m'influencer de cette manière. Et malgré tout, c'est le cas, et je pense que... Ah, super, la stun. Il y a une personne ici qui peut être témoin de mes humeurs quand Lyon perd ou quand ça se passe mal. Hein, Maï? Hein? Tu veux venir leur dire? Hein? Quand Lyon perd, retrouve avec l'homme le plus malheureux. Le plus abattu de France et de Navarre. Je sais pas si vous l'avez bien entendu, auquel cas je sous-titrerai, mais oui, oui. Fuck le football et fuck le sport! La 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 la, nous allons aller ici et on va se mettre bien. Je vais être Jean Flanque là. Après, pour être vraiment Jean Flanque, il me faudrait un silencieux. Hop, super. Regarde, je suis Jean Flanque. Hein, Jean Flanque qui continue encore? Jean Flanque, attention. Jean Flanque qui se retrouve dans le spawn des ennemis et Jean Flanque qui vient au-dessus du pompe, ça fait plaisir! Hop là, encore un kill de la part de Jean Flanque. Jean Flanque qui se retrouve dans le bâtiment, dans le bateau des ennemis. Jean Flanque qui est bien placé pour leur casser leur série. Jean Flanque qui prend à nouveau un kill. Jean Flanque qui commence à débloquer des streaks. Jean Flanque qui attend dans le coin. Jean Flanque qui a plus que 12 balles. Jean Flanque qui recharge. Regardez, Jean Flanque. Et là, Jean Flanque, ça arrive. Jean Flanque, c'est pas Gangplank. C'est vraiment Jean Flanque. Tu attends au fond. Et là, je change juste de coin. Même endroit, changement de coin. Le plan est très très simple. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir me chercher par un truc qui s'appelle la fierté. La fierté.
Aïe, du joueur Call of Duty. La fierté du joueur Call of Duty, quand tu l'as bien baisé, c'est forcément de venir te rééclater la gueule parce qu'il aura le seum. Double, let's go. Machine de guerre même sur BO2, baby. Et je crois que celle-là, il n'y a pas de spawn protection pour aider les petits gogols qui viennent de réapparaître à... pas canner. Hein? 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 Il n'y a pas de spawn protection, là, je crois, si je dis pas de bêtises, hein? Hein? Aïe, aïe. Ouh, dommage. Bon, on aura quand même fait un joli carnage. Ah, en plus, elle reste, regardez, tant que t'as des munitions, elle est là, la machine de guerre. Mais c'est incroyable, ça. La machine de guerre. Au fait, je tenais à vous annoncer un truc, du coup, la série de vlogs en Estonie avec Mai, vu que je rentre à la fin de semaine, s'arrête bientôt. Elle s'arrête bientôt dans la mesure où... Attends. Tu sais que je connais même pas... hop là, on va envoyer le foudroiement, attendez. Hop, voilà, on envoie le foudroiement et on va envoyer le Hellstorm juste après. Le Hellstorm, mon dieu. On a fait v'là les kills, c'est trop cool. Le dernier épisode de la série de vlogs avec Mai sera dans quelques jours. Je pense ce week-end, d'accord, Chiki va se mettre dessus et on va devoir le record. Et en fait, je pense qu'il sera dédié un peu notre dernier jour en Estonie. Et le fait de rentrer à Lyon. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ouais, est-ce que, puisque nos vlogs sont assez cool, est-ce qu'on les continuera même à Lyon? Je pense qu'on pourra les continuer à Lyon si on trouve des trucs sympas à faire et tout, tu vois. Le but, c'est pas non plus, tu vois, de vlog pour vlog et de pouvoir vous donner de la merde juste histoire de dire qu'on l'a fait, tu vois. Le but, c'est pas de dire, voilà, les gars, aujourd'hui, on a mangé à boire, tu vois, on a mangé des Ferrero Rocher, tu vois, c'est un peu nul, il nous faut quand même du contenu sympa. Mais on a bien vu que vous avez bien kiffé et les continuer à Lyon si on trouve des trucs à faire ou des trucs à vous présenter ou des moments de vie ou d'avoir des trucs sympas, ce serait avec grand plaisir. Vous inquiétez pas, elle sera sur ma chaîne, elle vous fera de la ASMR. Aïe, 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 les 40 kills n'auront pas suffi, les amis. Mais bon, on va dire que le 5-24 de El Nugetin ne m'aura pas aidé non plus. Bon, petit 40 bombes, ce sera quand même malgré tout sympa, on aura bien rigolé. Bon, alors les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, partagez, comme d'habitude, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine, les amis.